Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce deuxième entretien de l'IEP sur Sciences Po Lille Télé. Aujourd'hui, nous recevons une deuxième personnalité, François Asselineau, le président de l'UPR, qui était candidat à l'élection présidentielle en 2017. Et nous donnons la parole aujourd'hui à une association de Sciences Po, à savoir la Critique de la raison européenne. C'est une association eurosceptique qui intervient, qui propose des débats, des conférences, et c'est elle qui a organisé la venue de François Asselineau à Sciences Po Lille Télé. Et nous avons eu l'honneur aujourd'hui de pouvoir interviewer François Asselineau avec Étienne Campion, qui justement dirige à Lille la section de critique de la raison européenne. Bonjour François Asselineau, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors je suis en compagnie d'Étienne Campion, qui est responsable de critique de la raison européenne La section à Lille-même, Sciences Po voilà. Lille. Et donc, nous allons aujourd'hui nous intéresser à votre parti, à votre personne aussi, et à l'élection présidentielle notamment. On va revenir là-dessus. Donc, vous avez 60 ans, vous avez fait HEC, l'ENA, vous êtes inspecteur général des finances en disponibilité. Et après avoir travaillé dans des cabinets ministériels sous Chirac notamment, vous rejoignez le mouvement de Pasqua, puis vous fondez, je vais être très global, l'UPR en 2007. L'année dernière, vous avez réussi à obtenir vos parrainages, contrairement à 2012, ce qui est une prouesse pour vous, et vous étiez donc candidat à l'élection présidentielle, proclamé candidat du Frexit. Donc aujourd'hui, votre parti revendique pratiquement 30 000 adhérents, il me semble, selon votre compteur, et de très nombreux militants hyperactifs, on va en parler sur les réseaux sociaux. Donc je vous laisse Étienne C'est introduire. justement là-dessus que portera notre première question, François Asselineau. Critique de la raison de peine, on a eu beaucoup de demandes de vous inviter, etc. Et j'ai remarqué que vos militants étaient étonnamment très très actifs, mais qu'ils étaient aussi originaires d'horizons sociaux, d'âges différents. Et j'aimerais tout simplement vous demander comment vous expliquez cet engouement qui est arrivé pour vous, soudain, pour l'UPR. Pourquoi les gens sont aussi actifs et aussi. Parce que moi, ça me fait penser à une espèce de renouveau d'autorité, de verticalité, vous voyez, qu'on trouve chez vous et qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, je voudrais savoir ce que vous Je pensez. crois que l'UPR, c'est un peu ce que, vous savez, ce que Malraux disait en parlant du mouvement gaulliste dans les années 60, c'était le métro à 6 heures du soir, c'est-à-dire l'ensemble de la population française. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est un mouvement que j'ai créé. Vous savez, j'ai jamais eu envie de créer un parti politique. Moi, quand j'ai préparé l'ENA, c'était, je voulais sortir au Quai d'Orsay pour devenir un jour ambassadeur au Japon. C'était mon rêve, j'avais fait mon service national au Japon. Et si j'ai créé un parti politique, c'est parce que j'ai découvert, en allant dans les allées du pouvoir, que notre pays allait dans le mur, que nous étions dirigés par des dirigeants politiques. Je ne les appelle pas des responsables, parce que, étymologiquement, un responsable, c'est quelqu'un qui a une réponse aux questions qu'on leur pose. Ce sont des gens qui n'ont pas de réponse et qui se laissent aller. Donc j'ai créé un mouvement politique, un petit peu, je sais pas, presque par désespoir, en me D'accord. disant au moins j'aurais fait quelque chose dans ma vie. C'est que j'aurais au moins témoigné qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu laisser cela se dérouler. Et ce parti politique, je l'ai voulu fonder sur une charte que j'ai rédigée, parce que j'avais suffisamment vu autour de moi ce que c'était à la fois l'opposition, les alter-européistes, comme je les appelle, les européistes, et aussi les souverainistes de pacotille, qui ne veulent pas ce qu'ils savent et qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et donc je me suis dit, je vais créer un parti politique qui va mettre les pieds dans le plat et qui va proposer de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, puisque finalement, l'Union européenne, ça n'est jamais qu'une idée politique comme une autre. Et donc dans une démocratie, normalement, toute idée politique doit pouvoir être combattue. Or j'ai découvert que de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde était pour la construction européenne, dans son principe, et tout le monde était contre la façon dont on constatait que ça se déroulait. Et c'était toujours à améliorer. Donc j'ai créé un parti politique qui est fondé sur, je crois, la vérité, la justesse des analyses. Et puis c'est ça qui fait qu'en fait les gens marchent, c'est que y a pas, c'est pas vraiment une idéologie, c'est fondé sur la vérité. On a mis de côté tous les sujets clivants, les sujets sociétaux, les sujets sur les mœurs, les sujets sur On va la en parler. fiscalité, etc., pour rassembler sur le plus grand dénominateur commun des Français, qui est notre souveraineté, notre indépendance nationale. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens viennent, et les gens viennent de plus en plus, puisque grâce à Internet, vous savez, il y a Pétain qui disait dans les années 40, Français, vous avez la mémoire courte. Maintenant, on ne peut plus avoir la mémoire courte pour les gens qui s'intéressent à la politique, parce que on a Internet qui permet de voir, au cours des 10 dernières années, par exemple, ce qu'on a pu dire et faire. Et c'est un des grands, grands avantages de la vérité, c'est que c'est difficile. On est dans une situation très difficile actuellement.
Mais la vérité, elle a un avantage, c'est que la vérité, c'est un proverbe tamoul, hein. La force de la vérité, c'est qu'elle dure. C'est justement le rapport à la vérité que je trouve très très présent dans le discours de vos militants, et souvent François Asselineau, la vérité, et le reste qui serait bon, le mensonge, en gros. Et donc voilà, je vais te laisser poser la deuxième question. Oui, mais juste pour finir sur ta question, est-ce que vous répondez à ça, d'ailleurs, la nouvelle forme de base militante qui est assez présente chez vous, comment vous l'expliquez exactement? C'est par Internet? Oui, alors, il y a des gens, je sais bien, vous savez, il y a des gens qui disent « Oula, c'est une secte avec un gourou, etc. » Donc ça, je connais très bien le truc. Comme si les autres partis politiques n'étaient pas incarnés par un dirigeant. On dit, il y a des gens qui disent « On ne voit qu'Asselineau à l'UPA », ce qui n'est pas vrai, d'abord. Il y a des gens comme Vincent Brousseau, Charles-Henri Gallois, Guillaume Pellissier de Féligonde, etc., etc. Donc ça n'est pas vrai. Mais c'est vrai que, comme tout parti politique, il y a une personne qui est à la tête. Alors, ce qui fait que nous avons des adhérents et des militants qui sont particulièrement présents et parfois, paraît-il, agressifs, c'est aussi le sentiment que nous ne sommes pas considérés à notre juste place. Voilà. On ne demande pas la Lune, on demande que simplement que la loi soit respectée. Lorsque, par exemple, là, il y a eu des élections législatives partielles, nous avons été totalement blacklistés de tous les grands médias du pays, que ce soit les médias nationaux, télévisuels, radiophoniques, les magazines. Ben c'est vrai que nos adhérents et nos militants, parfois, ça les énerve, et donc ils font un peu de forcing. Alors ce qui est vrai aussi, c'est que pourquoi la vérité, ça, c'est pas une vérité autoproclamée. Ce que constatent les gens qui viennent écouter les conférences que je fais depuis 10 ans, c'est qu'ils peuvent dire, même ce monsieur a dit des choses, et ça se révèle être exact. Donc ce qui fait la force de notre mouvement, et c'est pas moi qui le dis, c'est parce que tout le monde proclame à être, c'est que les événements sont confirmés par les analyses. Et ça, dans de très nombreux domaines. J'avais notamment à France 2, le dernier jour avant la fin de la campagne, pour les premiers tours, vous savez, là où j'avais présenté un rameau d'olivier, j'avais montré les gopés que j'avais déchirés, j'avais dit, voilà ce qui va se passer. Et il y a une petite vidéo qui circule depuis quelques temps où un militant a repris, un truc de 3 minutes, où tout ce que j'ai dit est en train de se confirmer. C'est pas que je suis un devin, c'est simplement que j'ai lu les grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne, c'est tout. Finalement, on a tous cru que vous feriez un meilleur score, François Asselineau. Oui, moi aussi. Vous-même, vous en étiez déçu. Alors vous l'expliquez notamment par le vote utile, en disant que les gens auraient plutôt voté pour Marine Le Pen ou Mélenchon parce que les deux étaient eurosceptiques, qualifiés comme ça. Mais ne serait-ce pas plus généralement lié au fait que le souverainisme ait du mal à s'incarner autrement que sur un clivage droite-gauche, comme peuvent l'incarner, on va parler Mélenchon et Le Pen. Et on voudrait vous interroger sur le fait de savoir si vous admettriez une autocritique de vous-même sur le fait de citer trop pointilleusement les traités, que ça n'intéresse pas les Français et qu'il faudrait peut-être plus globalement parler de la France. Alors, je ne dis pas que j'ai été impeccable sur la communication. Je n'en suis pas certain. Moi, je ne vais pas sur les cours d'Anne Méo, etc. Bon. Je connais quand même des journalistes et des responsables politiques, y compris assez haut placés, qui m'ont dit, comme ça, sous le sceau du secret, vous avez fait une campagne formidable. Moi, j'ai semé des cailloux pour... Je suis comme le petit pousset. J'ai semé des cailloux pour la prochaine fois. Je me doutais bien que je ne serais pas élu, puisque je n'avais pas, moi, les grandes orgues pro-Macron. Macron avait été orchestré depuis 2 ans pour être élu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai semé des petites graines. Et ça a beaucoup frappé les Français. Dans la rue, quand je suis abordé, il y a des gens qui disent « Ah oui, c'est le monsieur qui connaissait tous les traités. C'est le monsieur qui connaissait ci, c'est le monsieur qui connaissait ça. Vous aviez raison. » Vous avez fait une image. Voilà. Il y a une image de, je pense, enfin excusez-moi, ça fait un petit peu immodeste, mais de compétence de quelqu'un qui est solide et fiable. Voilà. Or, dans cet univers, vous savez, c'est un autre proverbe, je cite, proverbe chinois fréquent, que je cite fréquemment, plus exactement, lorsqu'un pays est en proie au chaos, c'est alors qu'apparaissent des responsables intègres. Donc l'idée d'avoir mis dans la tête des gens qui m'ont vu que j'étais quelqu'un d'intègre, d'honnête et de compétent, je pense que c'est une idée fructueuse. Alors c'est vrai, bien sûr, que j'ai peut-être surestimé la capacité de mes compatriotes à s'intéresser à la politique. Il y a d'ailleurs quelque chose qui est assez cruel. Lors de l'université d'automne que nous avons tenue en novembre, il y a une tombola toujours le soir, le samedi soir. Et c'est moi qui prépare les lots. Et j'avais donc trouvé des lots sur Internet qui... Il y avait les professions de foi de Charles de Gaulle pour l'élection présidentielle de 65, de François Mitterrand pour 65, de comment s'appelait-il, Tixier-Vignancourt, etc.
Et quand vous lisiez ça, et que vous comparez aux professions de foi d'aujourd'hui, excusez-moi, c'est incroyable la dégradation, la dégringolade du niveau de réflexion, parce que c'était quand même des choses qui avaient été envoyées à tous les millions de Français. Il n'y avait qu'une profession de foi qui ressemblait beaucoup à ce qu'on trouve aujourd'hui, c'était celle de Jean-Luc Canuet, avec des slogans, des trucs très très simples, un grand sourire, voilà. Oui, c'était En Marche, c'est exactement la même chose. Donc, moi, j'ai tablé sur l'intelligence des Français, il y a des gens qui me disent « Oui, vous avez eu tort, il aurait fallu jouer plus sur le cerveau reptilien ou autre. » Écoutez, nous verrons bien. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les gens qui font des critiques oublient toujours quelque chose de fondamental, c'est qu'il y a une martingale qui a été prouvée, qui n'est pas parfaite, heureusement, mais qui a quand même une forte corrélation entre le nombre d'heures passées dans les médias et les résultats dans les urnes. Parce que bon, moi, j'ai eu même pas 1% du temps de parole pendant la période dite d'équité, d'après les calculs du CSA, alors que Macron, pendant la seule période dite d'équité, a eu 30% du temps de parole. Donc voilà, la messe est dite. Très bien, merci. Et justement, je voulais vous poser une question. Vous parliez des autres candidats, de l'avenir, du souverainisme, etc. Je voudrais vous demander comment est-ce que vous envisagez à l'avenir pour le camp souverainiste, on appelle républicain des deux rives, etc., un ralliement. Parce que j'imagine que l'UPR constitue un certain bloc politique, mais vous ne pensez pas arriver au pouvoir simplement avec l'UPR. Quand vous pensez, je ne sais pas, aux prochaines élections, aux prochaines échéances, pensez peut-être à des ralliements avec d'autres partis, alors, etc. D'abord, moi, si j'ai créé l'UPR et si j'ai créé la charte, comme je le disais tout à l'heure, et si cette charte est extrêmement précise, c'est parce que je n'ai que trop vu, si vous voulez, l'espèce de boogie-booga qui fait qu'au bout du compte, oui, vous êtes vous, finalement, c'est des détails, c'est des querelles d'ego, vous êtes tous d'accord. Non. On n'est absolument pas d'accord, ni avec Mme Le Pen, ni avec M. Dupont-Aignan, ni avec M. Mélenchon. Parce que ces personnes-là, ça fait des années que je le dis, et j'ai raison de le dire, c'est la vérité, d'ailleurs ça a été vérifié par les dernières déclarations depuis quelques semaines au Front National, ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Ils n'ont jamais dit qu'ils le voulaient. Alors je sais bien que vous allez me dire « Oui, c'est une raison tactique, vous êtes trop... » Non. Parce que d'abord, l'expérience britannique a montré qu'un peuple peut voter en faveur de la sortie de l'Union européenne. Si les Britanniques l'ont fait, je ne vois pas pourquoi les Français seraient incapables de le faire. Deuxièmement, est-ce que vous imaginez la difficulté que ça représente actuellement, même au Royaume-Uni, où les forces considérables menées par l'oligarchie économique, financière, essayent de faire capoter le projet de Brexit? Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui se serait fait élire en France sur le projet de réformer l'Union européenne et qui dirait ben, « En fait, non, finalement, je vais en sortir ». Il n'aurait aucune légitimité pour cela. Donc ça serait un objet de scandale. Et puis vous imaginez la presse qui serait derrière. C'est la raison pour laquelle il faut effectivement insister là-dessus. Par ailleurs, les questions que vous me posez... Alors c'est vrai que vous êtes étudiant dans un institut d'études politiques. Si vous me le permettez, elles ont un côté un peu politicien, c'est-à-dire... Des combinaisons d'appareils. Moi, je ne suis pas sûr du tout que l'avenir vient aux combinaisons d'appareils. Mais on peut aussi imaginer que le réel amenant à changer de trajectoire pour les autres partis. On voit par exemple la France Insoumise aujourd'hui dit qu'ils veulent sortir des traités. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ils le disent. On voit que bon, le FN s'est terminé. D'ailleurs, il faudrait que ce parti peut-être sorte du champ politique actuel pour qu'il se passe quelque chose. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Il y a Florent Philippot qui a monté les Patriotes. Il y a encore Dupont-Aignan. Et vous êtes quand même obligé d'envisager peut-être que leurs électeurs se rapprochent de vous, ou en tout cas que vous finissiez par se rapprocher d'eux, notamment Florent Philippot. Donc, à ce titre, je voulais vous demander si vraiment vous comptiez rester sur cette ligne UPR ou rien. Ou peut-être un jour dire « Pourquoi pas si ces partis sont amenés à changer de ligne, leur tendre la main ?» On n'a jamais dit UPR ou rien. J'ai dit depuis des années que nous étions ouverts à des alliances. D'ailleurs, l'UPR en elle-même est une alliance, puisque des partis politiques peuvent adhérer à l'UPR. C'est prévu dans nos statuts. Et on a mis de côté tout ce qui nous divisait. C'est pour ça qu'il y a des Français qui viennent de tous les horizons. On a des Français qui viennent de droite, des Français qui viennent de gauche, des Français... L'idée, par exemple, de faire une alliance avec un mouvement qui serait marqué très à droite est quasiment impossible de par nos statuts et de par notre charte, puisqu'on aurait immédiatement nos adhérents venus de la gauche qui sont majoritaires qui claqueraient la porte, et réciproquement. Donc on a voulu reconstituer le Conseil national de la Résistance.
Et on a toujours dit que les gens étaient les bienvenus à condition qu'il n'y ait aucune ambiguïté, ni diachronique, ni synchronique. C'est-à-dire, synchronique, c'est parce que vous savez, il y a des partis qui, au même moment, font venir des lieutenants. Donc l'un va dire noir, l'autre va dire blanc, le troisième va dire gris, le quatrième bleu, le cinquième rouge, etc. Vous doutez, on ne sait plus finalement quelle est la ligne du parti. Et puis diachronique, c'est-à-dire au cours du temps, des gens qui varient constamment dans les déclarations. Donc nous, on dit aucune ambiguïté, ni diachronique, ni synchronique, sur la sortie de l'Union européenne. Par l'article 50, il n'y a pas 50 solutions, d'ailleurs, c'est ce que font les Britanniques, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Ben, quand on dit ça, déjà, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Même Philippot ne veut pas sortir de l'OTAN, il propose la sortie du commandement militaire intégré. Donc déjà, il n'y a plus personne. On ne demande pas la Lune. On dit simplement, voilà ce que nous proposons. C'est quand même la moindre des choses. C'est exactement, si vous voulez, comme si des gens avaient dit... À De Gaulle, en 44, en 43-44, bon, alors finalement, ce qui vous sépare de Giraud ou de je sais pas quoi, ou de Laval, allez, vous êtes tous les Américains, bon, non, il y a, comme le disait De Gaulle dans son discours du 10 juin 42 à l'Albert Hall pour fêter le deuxième anniversaire, il avait dit, nous sommes trop faibles pour pouvoir transiger. Et voilà. Que serait devenu, disait-il, la patrie si Jeanne d'Arc, si Danton, si Clémenceau avaient voulu transiger. Mais à partir du moment où les gens sont d'accord sur la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, plus un programme quand même de justice sociale, et puis un programme de non-manipulation de l'opinion publique, ils sont les bienvenus, ils sont les bienvenus à l'UPR. Mais le problème que vous voyez bien, Monsieur Mélenchon, tout le monde, enfin, faut vraiment être bon. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui ne s'intéressent pas à la politique, donc ils se font manipuler. Mais les gens qui s'intéressent vraiment à la politique et regardent ça, tout le monde a quand même compris que M. Mélenchon se moque du monde, avec son plan A, son plan B. Pourquoi ne dit-il pas les choses clairement? Parce qu'il ne propose pas, il ne veut pas proposer la sortie de l'Union européenne. C'est exactement ce qui se passe avec Tsipras. On apprend aujourd'hui, c'est un truc rigolo, je ne sais pas si vous avez vu, que le parti de gauche propose l'exclusion de Syriza. Bon, c'est quand même très drôle. Bon. L'exclusion de Syriza et de Tsipras. Vous savez, moi j'ai dit... Lorsque Tsipras, qui était quand même bras dessus avec Mélenchon et avec Iglesias, le type de Podemos, c'est pareil, hein. Le Movimento Cinque Stelle, le truc de Beppe Grillo, c'est la même chose aussi, hein. Ce sont des partis leurs. Donc, on voyait, il y a encore 2 ans, à Paris, on voyait Mélenchon avec Tsipras bras dessus. Et puis, quand Tsipras est arrivé au pouvoir, moi je sais que janvier 2016, j'avais publié un article sur notre site en disant maintenant les Grecs vont pouvoir voir comment ils se sont fait avoir. Mais figurez-vous que j'ai eu quand même pas mal de remontées d'huile de nos adhérents. Il y a quand même eu un certain nombre, mais plusieurs dizaines de personnes à travers toute la France qui ont dit « Vous exagérez, laissez-leur leur chance, vous êtes trop négatifs, essayez ça ». Voilà. Mmh. Qui est-ce qui avait raison? C'est encore moi. Parce que maintenant, 2 ans après, on en est que le parti de gauche demande l'exclusion. Parce que, vous savez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est vraiment l'huile et le feu. Ça, c'est l'eau et l'huile. C'est quelque chose qui est comme la résistance française, si vous voulez. Soit vous étiez collabo avec les Allemands, les nazis, soit vous n'étiez pas. Mais il n'y a pas un entre-deux. Hein. Voilà. On va continuer juste un peu. Je vous en prie. Dans votre schéma de pensée, François Asselineau, si demain vous êtes président, ou en 2022 du coup, vous sortez de l'Union européenne et vous rendez la France souveraine, c'est votre projet, mais sans vous prononcer sur ce que vous appelez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, des sujets clivants, comme le mariage pour tous, l'euthanasie, etc., et vous soumettriez tous ces sujets à référendum. Ma question est la suivante, c'est de savoir si vous pensez réellement que les Français, demain, souhaitent avoir un président de la République qui ne prend pas position sur les sujets de société tels que l'immigration, l'écologie, la santé, la sécurité, et qui n'a d'avis sur rien, en quelque sorte. Est-ce que ça n'est pas aussi le rôle du chef de l'État de donner une vision sociale au pays? Alors je trouve que c'est une critique que j'ai déjà entendue, mais que je trouve quand même particulièrement de mauvaise foi, puisque j'ai fait un programme qui dure 5 heures. Bon, allez le voir. D'ailleurs, le programme que j'avais présenté en 2011, je l'ai représenté de nouveau. C'est tout à fait inexact que de dire que le programme, ça serait seulement la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il y a des choses dans tous les domaines, que ce soit en matière environnementale, en matière de culture, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de sécurité, en matière de réforme des institutions. Donc il y a quand même simplement, les gens ne se sont peut-être pas donné le souci d'aller voir notre programme. Mais il y a quand même un programme. Ce qui est vrai, c'est qu'on a une mesure phare qui a un petit peu occulté les autres. Mais allez voir le programme, il est très étoffé.
Ce qui a été beaucoup critiqué lors du débat, notamment à 11 candidats, c'était le fait que quand on vous posait une question, vous parliez toujours de l'Union européenne et que sur l'immigration, l'écologie notamment. Vous... Oui, parce que c'est peut-être d'ailleurs quelque chose que je n'ai pas bien fait passer et qui voudrait mieux faire passer. En fait, une des grandes difficultés à laquelle nous nous heurtons, c'est que une grande partie des Français ne comprennent pas la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et la situation quotidienne. Ils ne le comprennent pas. Ils ne veulent pas s'y intéresser. Pour eux, c'est quelque chose... C'est un petit peu... Vous savez, quand on parle aux gens, quand on dit « Tiens, il y a, je sais pas, un ministre qui a dépensé 15 000 euros en frais de cigare, ça fait un scandale. Mais s'il a dépensé 15 milliards d'euros de façon démentielle, personne n'en parle ». C'est un petit peu la même chose. La différence entre le micro et le macro. Donc effectivement... La grande difficulté que l'on a, c'est que des gens se sont demandé « Mais finalement, pourquoi je faisais une fixette sur, sur l'Union européenne ?» Parce que les Français n'ont pas compris ce que c'est. Enfin du moins, les gens qui n'ont pas vu mes analyses. En fait, c'est un petit peu comme si quelqu'un avait dit à De Gaulle en 40 « Mais pourquoi il nous parle toujours de chasser les Allemands ? Il y a quand même des choses beaucoup plus importantes. C'est la réforme des chantiers des bassins des houillères de Lorraine. C'est la propreté dans les rues de Marseille. » Voilà. C'est exactement la même chose. Sauf qu'en 1941, 42, 43, tous les Français savaient qu'on était en guerre. Alors qu'aujourd'hui, sauf ceux qui ont lu le dernier Mitterrand avec Benamou, où Mitterrand dit « La France est en guerre », les Français ne le savent pas. Les Français, si vous leur dites « La France est en guerre », les gens disent « Il a fumé la moquette ». Donc effectivement, c'est la difficulté, c'est de faire passer du général en particulier, de montrer l'importance de l'Union européenne sur le reste. Mais encore une fois, allez voir mon programme, il y a beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des sujets clivants que nous avons évités, effectivement. Mariage pour tous, par exemple, mais aussi, par exemple, les sujets comme la fiscalité ou autre. Je n'ai pas du tout botté en touche sur tous les sujets avec le référendum. Je propose en revanche, dans les réformes constitutionnelles, qu'il y ait la possibilité d'avoir un référendum d'initiative populaire, enfin. Voilà. Mais vous comprenez bien qu'il y a un risque majeur. Hein, je compare très souvent, et je vous prie de m'en excuser parce que ça fait un petit peu rengaine et un peu immodeste, mais je compare la situation à celle de 1943-44. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui serait allé voir De Gaulle le 19 juin 40, le lendemain du discours du 10 juin, et qui aurait dit « Écoutez, mon général, je veux bien, je vous comprends, je rallie la résistance, mais avant de rallier la résistance, dites-moi ce que vous pensez du mariage gay ». Bon. Alors je fais un anachronisme, bien sûr. Mais enfin, donc, vous imaginez, on leur a foutu à la porte. Hein, dire... Le problème, c'est qu'il y a une hiérarchie de priorités et un discernement à avoir que, malheureusement, qui n'est pas évident à avoir. J'avoue, je l'ai dit dans le dernier entretien d'actualité, que je suis un peu décontenancé de constater que nous avons des compatriotes qui sont prêts à se marcher dessus, à se battre, etc., pour avoir un pot de Nutella à 1,50€ au lieu de 4,50€. Mais quand on leur dit « Votre niveau de vie est en train d'être détruit, le patrimoine public est en train d'être vendu à l'encan, à des fonds d'investissement internationaux, tout ce qu'a fait la richesse de la France est en train d'être bradé, son rayonnement, etc. Et » l'unité nationale même, puisque j'ai été le seul candidat aussi à en parler de l'unité nationale lors du débat, quand vous dites ça, et vous avez des gens qui vous regardent comme si vous leur parliez de Sirius et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mais justement, en tant qu'étudiant, membre d'une association souverainiste, comme on l'a dit, Critique de la raison peine, on serait plutôt d'accord avec vous, en fait, ce que vous dites sur la priorité à la souveraineté, sur le fait que la France est en guerre, une guerre économique, immatérielle, etc. On est tous à peu près d'accord quand j'en raisonne avec mes camarades, mais... Là où on mettrait plus le curseur, où on porterait peut-être une critique, c'est qu'au fond, on a l'impression que la bataille est plutôt aujourd'hui sémantique, qu'on s'adresse, d'ailleurs on l'a vu avec Macron, par slogan, c'est la politique postmoderne, Macron l'a très bien démontré. Et j'ai l'impression que parler des traités, nous on a compris que c'était fondamental, voilà, mais que les Français ne comprennent pas la substance de ce que ça implique. Et je comprends pas pourquoi vous dites. Parlez pas plutôt des grands mantras, des grands slogans de l'Union européenne, par exemple l'Europe c'est la paix, enfin, je sais que vous en parlez un peu, mais pourquoi pas parler plus simplement aux Français, leur dire regardez l'Europe c'est pas la paix, en quelques phrases, plutôt que d'invoquer des traités qui, on est d'accord, moi je suis d'accord avec vous là-dessus, sont fondamentaux. Et peut-être j'ai un petit peu trop insisté sur ça, mais bon, c'est aussi une image que j'ai voulu me donner. Vous reconnaîtrez quand même que les conférences que j'ai faites, qui sont sans équivalent sur la sphère Internet, ils traitent tous ces problèmes. Je le reconnais. Donc voilà, ils traitent justement de tous ces problèmes. Mais la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que
Le premier parti de France, c'est les abstentionnistes. Et vous avez vu, 80% d'abstention dans le Val-d'Oise. Bon, c'était une partielle, mais ça veut dire que... Moi, je vois beaucoup de gens, beaucoup de plus en plus de gens qui me disent, de toute façon, politique, on ne veut plus entendre parler. Et si je viens dire en me disant, avec moi, il n'y aura plus de chômage, les gens, ils disent, ça va, tout le monde nous dit la même chose. Et moi, je vois des gens qui sont en rupture de société, des jeunes, des chômeurs, des ci, des ça, qui ne veulent plus écouter de responsables politiques. Et quand on leur dit, mais nous, on est, ouais, mais attendez, regardez-nous, non, ils ne veulent plus rien faire. C'est ça qui est dramatique. Donc je ne sais pas si ce serait, je ne suis pas sûr du tout que si je restais dans un flou artistique, parce que c'est un petit peu ça en fait que vous dites, c'est-à-dire rester dans des grandes généralités, je ne suis pas sûr que ça rapporte. Non, encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la science infuse. Nous avons, on réfléchit. On va avoir une série d'élections législatives partielles. On va tester des slogans, on va tester, ça va permettre de voir sur le terrain comment les gens réagissent. Il faut faire du contre-Macron, quoi. Oui, mais peut-être certains me disent en riant que peut-être dans un prochain entretien d'actualité, je vais avoir un chat. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis un mug. Regardez ce joli matou, comme il est mignon. Ouais. Peut-être que j'aurai, je sais pas, d'un seul coup. J'ai crié. 2500 adhésions dans la soirée. Pensez printemps. Pensez printemps. Mais c'est ça qui. Bon, en fait, c'est parce que je suis un peu un idéaliste, peut-être. C'est que j'ai horreur de prendre les gens pour des cons. Voilà. C'est quelque chose. Moi, je n'ai jamais aimé qu'on me prenne pour un con. Je n'aime pas prendre des gens pour des cons. Mais si, effectivement. C'est ça qui marche, c'est un peu désolant. Hein. C'est un peu désolant. Quand vous voyez qu'à Belfort, c'est quand même les résultats des élections législatives partielles qui viennent d'avoir lieu à Belfort, c'est quand même incroyable. Nous, il y a des gens qui ont dit oui, c'est un échec, c'est pas un grand succès, mais nous, on a maintenu nos positions. On avait 0,75, on a fait 0,73. On l'a amélioré. Dans le Val d'Oise, on a franchi le cap des 1%. Bon, je vois que le Front National s'est effondré, c'est passé de 17 à 7. Le PS aussi. Le PS est à 2. Je vois que Macron, enfin En Marche, a même perdu 7. Je vois que, Philippot s'est ramassé une tôle puisqu'il a fait le même score que nous alors qu'il a eu tous les médias du pays. Il a eu 554 émissions de télévision. C'était l'homme le plus médiatisé de France depuis 2 ans, sans compter les scandales qu'il y a eu sur place puisqu'ils ont eu droit à des médias. Nous, on n'a jamais rien eu sur place. Je vois que France Insoumise et le MRC à Belfort... En juin dernier, il y avait deux candidats, ils avaient fait 21% à 2. Là, ils avaient fait fusionner les candidats, ils ont fait 11. Donc je me dis, finalement, c'est vrai que nous, c'est pas extraordinaire, mais au moins, on ne s'est pas effondré. Justement, comment expliquez-vous qu'on donne la parole, comme vous dites, à Philippot, c'est Freud, Mélenchon, etc., où on les voit plus, effectivement, que des partisans du PR à la télévision. Mais comment expliquez-vous ça? Alors, on vous appelle, on vous répond pas, on vous refuse. Oui, vous demanderez à nos attachés de presse, vous verrez comment ça se passe. Quand on appelle monsieur Apathy de France Info, qui dit « Non, je ne donnerai pas la parole à monsieur Asselineau jusqu'en 2022, s'il y a ses paroles. » Il l'a dit explicitement. Oui, il l'a dit explicitement. On a une équipe de télévision qui a dit à notre candidat dans le territoire de Belfort, qui est venu le voir, c'est quoi vous, l'UPR? Ah non, on a des instructions de Paris. Elle l'a dit. Et quels sont les motifs? C'est quand même... Mais il faut aller chercher. Et c'est la raison pour laquelle je me permets d'insister sur le fait que nous proposons de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et que nous sommes le seul. Alors certes, il y a des gens qui disent oui, il y a le PARDEM, le PRCF. Bon, d'accord. Mais ce sont des mouvements politiques qui d'ailleurs se sont créés après l'UPR et qui, voyant la bonne affaire, et aussi l'Action française. Donc il y a un certain nombre de gens maintenant qui essaient de reprendre le truc. Mais le seul parti politique qui a été présent à l'élection présidentielle, c'est pas un parti, c'est un homme, mais, et aux élections législatives où il a été présent, c'est nous qui avons franchi ce mur de verre de la société française. Un jour, je vous raconterai, hein, mais pas filmé, comment j'ai eu des émissaires nocturnes. Si on venait me dire, écoutez, allez, dites que vous êtes pour une autre Europe, ça m'énerverait des choses. À ce point. Oui, comme ça, dans la société française. D'accord. Pourquoi est-il en France cette espèce de blocage que vous ne trouvez à l'évidence pas au Royaume-Uni? Au Royaume-Uni, il y avait les partisans du Brexit. Hein. Ils disaient pas, on va être pour another Europe. Non, ça que les élites pas. Françaises soient encore plus. J'ai d'ailleurs... Comment ? Parce que peut-être c'est un rapport aux élites françaises qui sont différentes de celles des États de Grande-Bretagne. Oui, de toute façon, je ne sais pas si j'en parlerai tout à l'heure, mais nous sommes des pays catholiques romains, de tradition. J'ai fait un peu mon Emmanuel Todd au petit pied, mais pas seulement égalitariste, je pense des pays de dogme.
Italie, France, Espagne, Portugal, c'est des pays de dogme. Mmh. Voilà, où le dogme, c'est les pays, les pays du nord de l'Europe sont des pays qui ont rejeté le magistère de la chaire de Saint-Pierre, comme on dit, rejeté le Vatican avec le protestantisme à partir du XVIe siècle. Et les pays du nord sont beaucoup plus pragmatiques. Donc dès que vous montez dans les pays du nord, moi j'ai une belle sœur britannique, ce que je dis moi, c'est ce qu'on entend en Norvège, au Royaume-Uni, en Islande, enfin tout, il n'y a que ça à la télé. Donc on a le droit, dans les pays scandinaves, d'être pragmatique. Voilà. Dans les pays du sud de l'Europe, qui sont des pays de dogme, c'est des pays où on n'a pas... Il y a une espèce de... En plus, la France garde des traditions de monarchie et de courtisanerie. Oui, bon, donc il y a... Puis l'Union européenne a une forme très dogmatique, si on parle de religion européenne. Ben oui, c'est une religion. Nous, on dit euro-mécréant dans l'association. Mais... Et bien sûr, parce que... Mais on dit un Européen convaincu. Moi, je me dis euro-apostat. Ouais. Voilà. Euro-apostat, ensuite on devient écran. Je te laisse la parole. On ne dit pas un Européen convaincu, ça veut bien dire que c'est du registre de la foi et du dogme. On ne dit pas qu'il est un Français convaincu. On ne dit pas un Français convaincu, un Italien convaincu. On est ou on n'est pas Français. On est ou on n'est pas Italien. Être un Européen convaincu, ça veut dire que c'est dans le domaine du fantasme et du dogme. On va continuer justement sur cette vision qu'on peut avoir de l'Europe. Et aujourd'hui, lorsqu'on prononce le mot eurosceptique en France, on pense directement au Front National, parfois à la France Insoumise, à Dupont-Aignan, mais surtout à l'extrême droite en général et au repli. Et si je résume votre pensée, puisque c'est ce que vous développez, vous dites que le système assimile volontairement l'euroscepticisme au FN, qui serait de fait une sorte d'épouvantail du système. Mais pourtant, le FN est de moins en moins clair sur la position depuis la présidentielle, hein, sur la question de l'euro notamment, on l'a même vu pendant le débat. Ce qui a mené d'ailleurs le départ de Florian Philippot, ne serait-ce pas là une opportunité réelle pour vous de dédiaboliser le Frexit, et si oui, par quels moyens ? Alors, s'agissant... Moi, j'ai toujours dit... J'ai une conférence qui rôde sur Internet depuis au moins 3 ans qui s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» Et j'ai toujours montré que jamais, 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 contrairement à une légende urbaine ou une légende médiatique, le Front National avait proposé de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Il suffit des professions de foi, faisant foi, justement, c'est le cas de le dire. Et ça n'est pas parce que tel responsable politique sur Radio Berry Sud, un 29 février à 23h50, avait dit qu'il faudrait sortir de l'euro, que ça emporte l'ensemble de la programmatique du parti politique. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc maintenant, au moins, les choses se sont clarifiées. Ce qui est vrai, c'est que, mais pas seulement en France, on a l'impression que les médias font mousser systématiquement l'idée selon laquelle on ne peut pas vouloir sortir de l'Union européenne sans être d'extrême droite. On promeut ainsi des mouvements comme Geert Wilders aux Pays-Bas, Alternative für Deutschland en Allemagne, etc., etc. Or, l'exemple britannique a montré que c'est totalement faux. Le Brexit, il y avait une partie très importante des électeurs du Labour qui ont voté pour le Brexit, et d'ailleurs des syndicats qui ont appelé à voter pour le Brexit. De même d'ailleurs qu'il y a eu aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui ont appelé à voter pour le Brexit, parce qu'on fait croire aussi en France que les chefs d'entreprise, les responsables économiques seraient tous d'accord pour rester en Union européenne. Il faudrait être un dingue pour pouvoir en sortir. L'exemple britannique nous montre le contraire. Il y avait eu un appel avec 343 chefs d'entreprise, et parfois non des moindres, qui avaient appelé à sortir de l'Union européenne. On reste sur l'idée que les Britanniques sont un peu beaucoup plus pragmatiques. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a vu dans certains pays... Par exemple, il y a eu une initiative citoyenne en Autriche, totalement apolitique, qui avait fait un référendum. Ils ont d'ailleurs fait une demande de référendum. Ils l'ont d'ailleurs obtenu. Ils ont rassemblé je ne sais plus combien de centaines de milliers de signatures nécessaires pour que le Parlement puisse éventuellement lancer un référendum. Ils ont réussi. C'est arrivé au Parlement. Le Parlement a dit non. Mais ça, cette initiative était une initiative citoyenne qui n'était pas d'une coloration politique particulière. Nous, on avait lié en Grèce à des liens dans une coordination qui s'appelait la coordination d'Athènes. J'étais allé en Athènes il y a 4-5 ans. Il y avait un parti qui était un peu l'équivalent du nôtre. Il s'appelait EPAM. Et qui était, sauf que le type qui était à la tête, c'était un ancien du Parti communiste, donc il venait de la gauche, alors que moi je viens plutôt de la droite, entre guillemets. Et donc là, on avait eu le sentiment que c'était un parti qui était comme le nôtre. Il y avait également l'IPU, l'IPU finlandais, qui était un petit peu... Mais ce sont des partis, en Finlande comme en Grèce, c'est le même sort que nous. Jamais le moindre passage média. Voilà. Ajoutant à ça qu'à l'EPAM, ils ont eu par ailleurs...
Ils ont été infiltrés, maintenant le truc a été à voler en éclats. C'est-à-dire que maintenant ils ont été infiltrés par des gens qui disent non, une autre Europe, bon, c'est terminé. Donc il y a un vrai souci, je pense, des responsables des médias. Nous les mettons extrêmement mal à l'aise. On les met extrêmement mal à l'aise parce que pour eux, alors soit c'est un calcul politique ourdi de longue date pour pourrir cette idée, soit c'est simplement un problème de conception. C'est l'idée que l'on peut être, que l'on peut vouloir sortir de l'Union européenne sans être d'extrême droite. Je montre dans la conférence que je vais faire là devant les étudiants que c'est plutôt l'Union européenne, le principe même de construction européenne, qui est un concept d'extrême droite, si vous y réfléchissez bien. Je l'ai dit au grand scandale d'un certain nombre de personnes, mais pourquoi faire l'Europe? Pourquoi la France devrait-elle fusionner avec les Lettons qui commémorent les Waffen-SS, avec lesquels nous n'avons rien, aucun contact particulier depuis des siècles avec la Lettonie ou les Pays-Baltes? Et pourquoi devrait-on en revanche nous distinguer de la Tunisie où tout le monde parle le français et Bizerte est à 800 km de Marseille alors que Marseille est à 2500 km de Rovaniemi en Laponie? Je pense à la francophonie aussi. Oui, j'en parlerai tout à l'heure. Donc le concept même, c'est le concept même de construction européenne sur lequel il faut s'interroger. Et nous sommes le seul parti qui le faisons. Parce que pour tous les autres partis, ça irait de soi que la construction européenne serait une bonne chose, mais malheureusement, elle marcherait mal. Nous, on dit, dans son concept même, il y a quelque chose d'assez nauséabond, c'est qu'elle est fondée sur quand même un principe... De négation des nations. Un principe religieux ou racial. Sinon, comment vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut fusionner avec des pays avec lesquels on n'a aucun rapport? C'est une plaisanterie de garçon de bain, la géographie, puisque je l'ai dit, là, Marseille est à 800 km de Bizerte et à 2500 km du Cap Nord. Et puis maintenant, avec Internet, il n'y a plus de distance. Donc il y a un vrai... Et puis la définition d'un continent, c'est une simple convenance. Voilà. Donc, et comment explique-t-on d'ailleurs la présence des RUP, des régions ultra-périphériques, dans l'Union européenne? Pourquoi la Guadeloupe, par exemple, est-elle dans l'Union européenne, alors qu'elle est à 6000 ou 7000 km de voilà. Donc il y a toute une série de problèmes conceptuels dont je parlerai dans quelques instants, ce que j'appelle les impasses, parce qu'il n'y a pas de réflexion conceptuelle sur le principe même de la construction européenne, qui en fait est une vieille lune. Hein, j'ai un type l'autre jour qui me disait, là, pendant que j'étais allé soutenir un de nos candidats, qui me dit que je citais 1954, l'échec de la CED, ou les communistes, parce que c'était un interlocuteur d'extrême gauche qui me disait que les communistes, il me disait que voilà, que, je l'ai dit, les communistes en 1954 disaient exactement ce qu'on dit maintenant, parce qu'ils me traitaient de complotiste. Moi, j'ai un magazine qui s'appelle Regard du Parti communiste français de 1954 qui dit avec la CED, la Communauté européenne des défenses, ce serait une armée américaine avec des généraux hitlériens. On l'a mis en ligne d'ailleurs sur notre site. Bon. Et il me dit comme seule réponse, ah oui, mais c'était en 1954, vous vous rendez compte, une vieille lune. Lui, il était marxiste-léniniste. Je lui dis, bon, attendez, et le manifeste du Parti communiste, c'est quand? C'est 1848. Il n'avait pas su quoi me répondre. Et les gens qui nous proposent la construction européenne comme quelque chose d'un truc d'avant-garde, c'est un truc très, très d'arrière-garde. C'est le discours de Victor Hugo en 1849 au Congrès de la paix, mais ça remonte, en fait, à Dante au XIIIe siècle. Et puis le discours de Victor Hugo, c'est une Europe, d'États-Unis d'Europe, mais centrée sur Paris, c'est pas le... L'Union européenne de Bruxelles. Quoi. Oui, et puis, mais allez le voir, on a mis les extraits du discours sur notre site internet. C'est aussi l'alliance des États-Unis d'Amérique et des États-Unis d'Europe pour coloniser la planète sous l'œil du Créateur. Et Victor Hugo précise que c'est pour rendre, écoutez bien ce qu'il dit, pour rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. D'accord. Et bien, on va juste se permettre de conclure par contre, parce qu'on n'a pas beaucoup. Oui, ouais, bah on va juste faire une dernière question. On dit que c'est à partir des échecs qu'on repart de plus belle. Hein. Quels sont les enjeux à venir pour vous en cette année 2018, où tous les partis sont en ébullition idéologique totale après la gueule de bois de la présidentielle, alors même que le président Macron, qui a regagné en popularité, tend à affirmer la place de la France dans l'Europe, en tout cas sur la forme en ce moment, quelle est votre feuille de route pour cette année? Ben, la feuille de route, c'est de poursuivre comme une monade leibnizienne, poursuivre dans notre être, c'est-à-dire continuer, parce que nous n'avons aucun état d'âme quant aux analyses. D'ailleurs, on a eu, malgré le score décevant effectivement à la présidentielle et aux législatives, depuis lors, on a dû faire 3 ou 4 000 adhésions nouvelles, et on a eu, depuis, je crois, la présidentielle, on a dû avoir 30 démissions. Donc,
Si vous voulez, le problème auquel on est confronté, c'est qu'il y a un temps pour tout, hein, comme dit l'Ecclésiaste, c'est-à-dire qu'à l'évidence, la société française est en train de ruminer, de ruminer, de ruminer. L'accueil que j'ai d'ailleurs est bien meilleur maintenant qu'il n'était il y a 6 mois, sans parler d'il y a 3 ans. Donc nous, on continue. Monsieur Macron bénéficie d'une promotion inouïe médiatique qui continue. On fait croire aux Français que ce serait le type qui est fantastique, qui est en train de réformer l'Europe, mais de vous à moi, Macron, tout le monde s'en fout. Enfin, aller en Pologne, en Bulgarie, lorsqu'il est allé, M. Macron a fait que des échecs diplomatiques, contrairement à ce qu'on nous raconte. Il a traité comme un domestique le président du Burkina Faso, Roch Kaboré. Il est allé en Bulgarie, il a critiqué la Pologne. Aussitôt, la première ministre de Pologne a fait un scandale. Il s'est fait toiser et ridiculiser par Vladimir Poutine. Il vient de faire encore un pas de clerc avec le Venezuela. Et après ça, il s'est moqué des immigrés venant des Comores qui mouraient dans le détroit du canal de Mozambique, qui s'est mis à dos les Comoriens et toute l'Afrique de l'Est. Enfin, je veux dire, le truc, il est quand même assez lourd. Au Ghana, il s'est fait remettre à sa place par le président du Ghana. Tout ça, mais les médias entretiennent l'idée que vraiment le monde entier nous envierait M. Macron. Non, ce qui est beaucoup plus important, aujourd'hui même, par exemple, c'est de savoir que Madame Theresa May est reçue en grande pompe, comme l'a été Macron en Chine. Sauf que les Chinois, ils ont face à eux une puissance, ils disent c'est le retour de l'âge d'or, ils ont dit. Parce qu'ils savent qu'ils ont en face une puissance qui est en train de redevenir souveraine. Voilà. Il y a un beau proverbe chinois qui dit lorsqu'il y a 9 cuisiniers, tout se refroidit ou se brûle. Eh bien, on va finir sur ce proverbe chinois. Merci beaucoup. Merci.